Café. Stop! Quoi? Ah ben, vous avez plus de veste. Ben non, j'ai pas de veste. Ben alors, mettez la veste. Vous y avez droit. Un rendez-vous attendu par la moitié de la Terre. C'est le faux journal avec notre Camarou International. Salut Camar. Salut. Comment ça va? Très bien. La grande forme? Oui. Plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça. On va en parler. Tiens, ça fait du bien d'entendre parler de bonnes nouvelles. Mais on va parler également de l'intercommunalité. Oui. Tous ensemble. Sens, c'est dégueulasse. Coopération régionale, là aussi, il y a des efforts qui sont faits. Exactement. On va en parler. Mais on commence tout de suite avec Jacques-Marcel Henry. Il était sur ce plateau ce matin et il dénonce. Voilà, Jacques-Marcel qui est venu faire un peu le bilan. D'abord, vous avez commencé à lui poser des questions, c'est vrai, concernant en tout cas l'aménagement. Non, l'assainissement, tout ça, ça appartient à des gens compétents. Moi, je l'ai toujours dit, parce que depuis 2007, quand même, qu'on se bat, aujourd'hui, les maires ont décidé de dissoudre le SMIAM. Et ici, on le sait très bien. On le sait très bien que la personne qui fait la voirie, c'est pas la personne qui fait l'assainissement, c'est pas la personne qui pose le poutre. Donc, du coup, il faut des compétents. Moi, je le dis. Ils veulent dissoudre le SMIAM et en même temps, ils veulent nous construire des assainissements dans l'aménagement du territoire. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Oui, mais Jacques-Marcel Henry, c'est quand même une bonne nouvelle, l'intercommunalité. Non, je ne peux pas concevoir ça puisque moi, ça ne me concerne pas. Mon canton n'a pas voulu ça donc depuis 2007. Et je le confirme parce que j'ai parlé de Tama et de la GEPAC. C'est vrai que l'État, ça s'appelle du détournement, puisque depuis 2007, que la loi précisait qu'ils doivent nous donner qu'à nous des sous. Et ça s'appelle. Et en plus, ils devraient les pérenniser. Mais comme ils ne les pérennisent pas, bien sûr, on est dans la merde, on ne peut pas s'occuper de nos enfants. Donc, en même temps, Tama, on ne sait pas s'il faut de la réinsertion, s'ils font de la prévention, ou s'ils font de la démoustication, ou s'ils font de la multiplication de leurs jeunes un peu partout. Voilà, donc on comprend rien du tout dans ce pays. Laissez-moi parler, ne me posez pas de questions s'il vous plaît. Jacques-Marcel Henry qui a quand même expliqué la différence entre insertion et réinsertion. Je Exactement. Vous invite à taper insertion dans Google, vous aurez des surprises. Merci Jacques-Marcel Henry. On revient avec la coopération régionale. Encore un peu de Jacques là, non? Exactement, ouais. Mais attendez, parce que là, je ne comprends pas. On nous avait parlé d'une région de Diana, de Beni, de Sava. Là, on nous parle d'une région, comment ça s'appelle déjà? Menabe. Je pensais Mokabe. Menabe. Mais c'est qui, franchement, excusez-nous, le CG là-bas, c'est qui part signer ces contrats ou ces conventions? J'en sais rien. Jacques-Marcel Henry. C'est toujours lui. Non, au départ, ils m'avaient choisi, puis finalement, ils ont choisi le pigeon voyageur qui est mon ami Raos, que j'admire ça. Oui, je suis allé les signer, jusqu'à présent, il n'y a pas encore les fruits. Mais quand est-ce qu'on aura les fruits? Hé, hey, ne me parle pas de ce temps-là, hein. Je suis ton deuxième vice-président quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne comprend rien. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, oui, la convention, oui, on va encore renforcer la coopération régionale. Mais jusqu'à maintenant, ça nous a fait quoi, ça? Franchement. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Et tout à fait. Voilà, on passe pour des bienfaiteurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours l'air con quand on arrive là-bas, avec toujours le sourire. Il y a quelque chose à signer quand on arrive? Et là, t'as Zaidani et compagnie qui signent. Vous êtes sûr, il n'y a rien à signer. Hein. Même quand ils prennent l'avion pour revenir. Hein. Ouais. Oh, il n'y a pas un petit contrat à signer là? Non, c'est juste ta chambre. Ça fait déjà 2 mois que tu n'as pas signé. Oh non. Allez, on enchaîne avec l'intercommunalité. Ça y est, c'est parti pour la petite. Ça y est, ce mariage, bien sûr, célébré depuis jeudi dernier, Dzaoudi Pamandi qui se rattache, mais qui se rattache à la France. Hein. Parce que je vous ai dit, à Mayotte, si tu as envie d'aller, les gens qui viennent à Mayotte, s'il vous plaît, vous avez envie d'aller en France, sur un territoire français, restez en petite terre. Ne venez pas en grande terre. Parce que là-bas, c'est la France. Ouais, c'est Monaco même. Ah, mais écoute, non, là-bas, t'as donc, bien sûr, t'as Bastia. Et Ajaccio. Et Ajaccio. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, par contre, les mecs, ils se sont d'abord concertés. Hein. Ah, ben oui, Saïdo Marouali a demandé à son collègue, bien sûr, le maire de Pamandi. Alors, qui a quoi et qui va faire quoi? Bon, écoute, moi, j'ai les citernes du Badamier, quand même, c'est moi qui fournis le courant. D'accord. J'ai le radar qui surveille les Kwassa et l'Afrique de l'Est. Donc, j'ai aussi quand même le four à chaud, là où on faisait les pains à vin. D'accord. Donc, et puis l'autre qui dit, oh, ouais, hop, 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 doucement, moi j'ai l'aéroport, hein, ouais. Mon cher. Hein. Mais c'est vrai,
quand vous allez en petite terre, est-ce que quand t'es à l'abattoir, t'as pas le sentiment d'être à Pamandzi? Donc en fait, les mecs, c'est juste les panneaux qui différencient en fait. Ouais, parce c'est que c'est les mêmes personnes que tu vois en fait. C'est tellement petit chez eux. Ouais. Quand tu es à Pamandzi, t'as l'impression que tu viens de voir un mec que tu viens de croiser à l'abattoir. Quoi. Oh, mais je t'ai vu tout à l'heure là-bas là. Oui, oui, mais je suis à Pamandzi là. Ah ouais, là c'est à Pamandzi. Moi je pensais que c'était la même chose. Là, tout ça. Donc ouais, ouais, les mecs ils sont forts. Le pire, c'est que moi aussi, j'ai jamais vu la différence. Tu sais pas si tu es à Pamandzi ou à l'abattoir, c'est la même chose pour toi. Ah bah maintenant, avec l'intercommunalité, ce sera encore plus simple. D'accord. Allez, on enchaîne et on termine avec les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, Kamar. Les bonnes nouvelles, il y en a, mesdames et messieurs. Depuis ce week-end, a été créé le CPN. Le CPN. Mm-hmm. Le comité, écoutez bien, hein, le comité de patrouille nocturne. Ah. Ouais, ouais, le comité de patrouille nocturne a été né, bien sûr, à la MJC de Mtsapéré. Ouais. Bien sûr, des mecs apparemment qui vont travailler dans le calme, pour apporter le calme. C'est ce qu'a dit Tostao hier. Ouais, exactement. Donc apparemment, si on rencontre des délinquants, ouais, ouais, tout, les délinquants sont chauds, ils vont appeler leur chef. Parce que dans le comité, il y a un chef. Chef, chef, non, restez calme, regardez-les s'agiter, restez calme, ne le faites rien du tout. Par contre, une phrase qui a choqué Mayotte entière hier, quand le coach nous dit, un noir... Oui. Pour travailler, il faut le fouetter. Oui, c'est vrai, ça a choqué. Parce que depuis l'esclavage, c'est comme ça. Hein. Un noir, pour travailler, il faut le fouetter. Coach, un noir, il faut le fouetter. Et je t'assure que c'est pas mon père qui a créé les clubs sadomaso. Hein. Ah non, mais je te le jure. Hein. Parce que pour que... Voilà. C'est ouais, perdu, bonne nouvelle également, mesdames et messieurs. Non, mais c'est vrai. Une pharmacie a ouvert ce matin. Oui. Une pharmacie, s'il vous plaît. C'est la grève aussi. Hein. Alors, la bonne nouvelle, elle vient où? Par hasard, comme par hasard, je tombe sur une pub magnifique, Samuel Bocher, qui nous met derrière sa page de France Mayotte. On a tous une pharmacie dans sa vie. Ouais. Heureusement, heureusement, les mecs, ils sont forts. Une pharmacie qui ouvre. Allez-y, cherchez votre pharmacie. C'est laquelle? Puisqu'elles ont toutes fermées, allez aux pharmacies centrales, à l'hôpital, c'est gratuit. Voilà. Bonne nouvelle ce matin. La dernière. Pardon? La dernière bonne nouvelle. Ouais. Ouais, ouais. Alors... Oui, la bonne nouvelle ce matin, c'est que la Ligue de football a perdu sa clé USB, là où il y avait les salaires des arbitres. Mais en même temps, apparemment, quelques photos du boss de la Ligue, des photos prises peut-être dans une région d'Iana, quelque part. Donc c'est là où tout va mal, parce que c'est une bonne nouvelle, puisque la clé va arriver dans les réseaux sociaux. Et on verra vraiment, c'est que le foot... À la Ligue. C'est plutôt du foot ou du fitness? On était bien avec le fitness, Patrick. On était bien avec la Ligue. On était bien avec Lady Diana. Mais bien sûr, avec sa tarte au mur. On était bien avec l'intercommunalité. Ah oui, on était oui. bien avec la coopération régionale. On était bien avec tonton Jacques à cause de toi, Kamar. Et seulement à cause de toi. Cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde.